was lost on a road heading nowhere without you. Atelier joint dans la salle de bain, comme ça après on va pouvoir mettre la baignoire à sa place. Et donc là, le joint beige doré que Samy met partout, comme ça ça bouche aussi certains petits trous dans les fenêtres et ça fait ressortir le joli grain. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on finalise enfin la salle de bain et on vous dévoile tout ça. Alors restez bien jusqu'à la fin, le résultat est plutôt pas mal. Après avoir posé toutes ces tomettes, il nous restait une dernière étape à réaliser. La pose du joint qui va venir finir le sol et on va voir enfin le rendu final. On a utilisé un joint souple et lisse, de couleur crème. Ça matche plutôt pas mal. C'est parti pour la pose du store de la salle de bain. Puisqu'en fait ici après, ce sera le parking voiture. Et donc on souhaite cacher cette partie avec un store bateau. Baby, tell me. On poursuit avec tous ces petits détails importants qu'il ne faut pas oublier, la pose du store bateau en lin et les appliques qui viendront illuminer cette salle de bain. En off, j'ai mis le primer d'accroche sur tous les soubassements et donc là on va passer à la peinture. Et voilà notre store bateau fixé. C'est plutôt sympa et on descendra généralement, je pense, aux 3/4 seulement. Voilà, la première couche est faite. Je sais pas ce que vous pensez de cette couleur là, mais je l'aime beaucoup. Bon, là on voit pas trop parce qu'il fait nuit et c'est une lumière artificielle. Mais c'est une couleur très douce et chaleureuse. C'est parfait pour le coin baignoire ici. Donc je suis très contente. Là Samy a fait des petites retouches et je vais faire la deuxième et dernière couche en mettant un ruban de masquage pour avoir une belle délimitation bien propre. Je vous donne la référence là, puisque je pense que certains vont être intéressés. C'est la teinte Featherdown 953 de chez Benjamin Moore. Et donc, c'est la gamme Aura Bath & Spa. En fait, c'est une gamme qui est spécifiquement faite pour les pièces très humides. Et donc, tout ce qui est salle de bain, et c'est compatible également avec sauna. Donc, vraiment, c'est une peinture qui est très très résistante. Et c'est ce qu'il nous fallait puisque vous voyez là il y a la douche et donc il risque d'avoir quand même l'humidité pas mal ici, voire des projections d'eau. Donc on va voir avec la peinture ce que ça donnera et puis on vous fera un retour, voir si ça résiste bien. Le masquage est fait là le long du bois, la ligne ici pour la démarcation, la protection du carrelage, la protection des tomettes. Et en fait pour faire tout ça, ça m'a pris 20 minutes, c'est ce qu'il y a de plus long.
Ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais commencer par mettre la couleur blanche de ce mur-ci. Comme ça, elle va sécher pendant que je vais faire le reste. Et après, je viendrai mettre la couleur beige sur la simèse pour avoir une jolie démarcation. There's always something to be scared of. But there's no joy without the pain. There's no flying without leaping. Travail de précision, travail de patience, c'est Audrey qui s'y colle. La peinture, l'étape certainement la plus satisfaisante à regarder, tout du moins, parce que tout prend forme, les reliefs s'accentuent, et on voit enfin le résultat final de tout ce travail de boiserie qui nous a pris énormément de temps. Ah, mon activité favorite pour se détendre, un petit peu de ménage dans le jardin. Retirer les vieilles souches, arracher les ronces, c'est toujours satisfaisant, ça fait avancer petit à petit le chantier en extérieur qui prendra forme cet été. Je vais sur ça. J'ai le grand truc là, mais... Je sais pas, regarde sur la notice. Voilà, donc chambre, partie chambre au départ, puis derrière, on fera notre salle de bain au sein de la chambre avec une cloison quand même entre deux pour que ce soit des espaces séparés. Et puis, on a tout au fond de cette pièce-là un joli œil de bœuf qu'on gardera à l'identique, qui sera refait par le menuisier. C'est bon ? Alors laissez-moi vous dire quelque chose. En visualisant votre objectif, les choses deviennent amusantes. Vous pouvez avoir un but, peu importe ce que vous faites dans la vie. Vous pouvez avoir un but. C'est la règle numéro 1. Avoir une vision. La règle numéro 2 est de ne pas écouter les haineux. N'écoutez pas les défaitistes. Dans tout ce que j'ai entrepris, il y avait toujours des gens pour dire « c'est impossible ». Tu n'y arriveras jamais. Alors à chaque fois que quelqu'un disait que c'était pas faisable, moi, j'entendais, c'est faisable. Quand il me disait non, j'entendais oui. Et quand quelqu'un me disait, c'est impossible, moi j'entendais, c'est possible. Pour cette salle de bain, je vais vous faire un petit tour avec notamment les références, les questions qu'on a pu avoir aussi en commentaire qui vous ont posé souci. Donc pour le sol, ce sont des tomates qui viennent de chez Ligerio, on les aime beaucoup, elles sont hyper faciles d'entretien. Vous pouvez les mettre vraiment dans une salle de bain, on nous a posé la question. C'est possible, tout à fait, puisqu'elles sont hydrofugées, que ce soit dans une cuisine, un salon, une salle de bain. Vous pouvez même les mettre en bac à douche, c'est possible également, nous on a choisi de mettre un receveur, mais vous pouvez faire une salle de bain tout en tomates. On a décidé de mettre une grande baignoire îlot,
qui fait 1,80 de long. Elle est franchement top. C'est génial quand on est grand. On peut être bien au chaud à l'intérieur sans avoir froid. Elle vient de chez Reuter. On l'a acheté chez Reuter. C'est sur ce site aussi qu'on avait acheté l'évier de la cuisine. Toute notre robinetterie, que ce soit sur la baignoire, la colonne de douche et l'évier, c'est la marque Jacob Delafont, c'est le modèle Cléo en coloris or. Le store bateau ici en lin, on a acheté ça sur le site Thuis. Franchement, c'est hyper chouette, je crois qu'on en a eu pour 106€ avec la livraison. Hyper simple à installer et on aime beaucoup le rendu. Ensuite, une question qu'on nous a beaucoup posée, c'est sur le meuble vasque. Donc c'est un meuble en pin recyclé avec un plan en marbre. Il vient de chez L'Oberon, on l'a acheté sur le site de l'oberon.fr. On en est plutôt très content, seul petit point négatif. Faut faire attention sur le marbre à l'usage de pas tâcher, donc il faut toujours essuyer les taches d'eau. Et aussi, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question aussi sur Instagram, donc pour les rangements, il y a peu de rangements en fait. Sur le site internet, ils disent qu'il y a 8 tiroirs au total, et c'est une erreur puisqu'il n'y en a que 6, il n'y a que ces deux-ci et ces quatre-là qui s'ouvrent, donc ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que quand on achète sur internet et qu'on ne peut pas voir le meuble, on se dit 8 tiroirs, il y a du rangement. Finalement il n'y en a pas, alors que le prix est quand même assez élevé. Si vous vous rappelez, on avait fait une vidéo donc sur l'évacuation du meuble vasque. On a eu beaucoup de commentaires. Vous avez été nombreux à dire que ça s'écoulait pas. Donc on a bien fait la sortie au niveau du mur à la hauteur du DTU. Seulement le meuble vasque, effectivement, la partie basse de l'évacuation est plus basse que la sortie d'évacuation, ce qui fait qu'on a fait un système de double siphon. Donc faut pas vous inquiéter, même si la pente est montante, finalement ça s'écoule quand même très bien. On a eu quelques commentaires sur le fait que ça pouvait stagner dans le premier siphon. Bon, on surveillera, c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait le joint ici au niveau du meuble. Si un jour on a le moindre souci, clairement on placera à l'arrière, on fera l'évacuation plus basse. Pour l'instant on laisse comme ça, ça fait 4 mois qu'on l'utilise tous les jours, on n'a pas de soucis, et ça fait 7-8 mois qu'on l'utilise ponctuellement puisqu'on l'utilisait déjà avant et on n'a pas eu de soucis pour l'instant. Le miroir, on l'a acheté chez Interiors, c'est une entreprise française qui fabrique aussi des meubles, des miroirs, et on en est très content. Pour tout ce qui est carrelage, donc mural, les petites plaquettes et les grands carreaux de 3 mètres par 1 mètre, tout ça vient de chez Point P, c'était une collaboration, on a eu la chance de travailler avec eux sur l'année 2023. Et ça va repartir sur l'année 2024, donc suivez-nous, on aura potentiellement pas mal de choses et peut-être des petits codes promo encore à vous partager. La paroi de douche, c'est une paroi qu'on a faite sur mesure puisqu'on a décidé de faire une demi-paroi avec un mur et de douche. C'est pas du tout standard, on a acheté ça sur le site Côté Vert, pareil, hyper satisfait. Ils ont des très bons prix, je trouve, par rapport aux autres. Livraison impeccable, et puis quand j'avais passé la commande, j'avais mis mes mesures et directement le service client m'avait recontacté pour être bien sûr au millimètre près de ce qu'on voulait faire selon le profilé aussi en laiton qu'on a choisi. Vous pouvez choisir plusieurs couleurs de profilé, donc ça, hyper sympa. On en est très content aussi. Les grands carreaux muraux, c'est vraiment le top. Ça fait un peu aspect béton ciré, mais c'en est pas, donc c'est hyper pratique à laver. Bon, je sais que ceux qui ont du béton ciré disent que c'est pratique à laver, mais là au moins on n'a pas de soucis particuliers. Et d'ailleurs, quand on a mis en photo sur Instagram, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était du béton ciré. Donc la pose est un peu délicate, mais comme vous l'avez vu sur une précédente vidéo, on a réussi à la faire. Si franchement vous pouvez mettre ça chez vous, c'est le top du top. Pour le receveur de douche, on nous a aussi posé des questions, savoir si ça s'écoulait bien, que certains avaient des soucis, que ça allait en dehors du bac à douche. Pareil, ça fait 4 mois qu'on se douche tous les jours dedans, on n'a jamais eu aucun souci. Dessous la petite grille, vous avez un petit récupérateur pour tout ce qui est cheveux, et donc quand le niveau commence à monter, on enlève les cheveux et c'est vraiment simple d'accès. On n'a jamais eu de débordement, aucun souci. Le receveur fait 1,40 m de long. On a des petites projections d'eau sur les tomettes, mais vraiment minimes, et un petit peu sur la boiserie, surtout sur cette partie-là. Mais le fait d'avoir mis du médium hydro et d'avoir peint avec une peinture adaptée. Nous, c'est la Benjamin Moore Aura Bassin Spa qui est spécifiquement fait pour les milieux humides, aussi sauna, je vous en avais parlé. Et du coup, on n'a vraiment aucun souci.
Ici, on avait décidé de faire une petite niche sur le côté pour ranger une partie des produits. Et Samy a voulu insérer un petit ruban LED. Celui-là, on l'a acheté chez ByLED. Et il s'allume du coup avec les lumières, les appliques du miroir. Concernant les appliques qu'on a mis dans la salle de bain, les appliques avec les petits abat-jours tissés ou les appliques en verre ici, elles viennent de chez Corston Architectural. C'est aussi une jolie collaboration qu'on a pu avoir. Ils nous ont gentiment offert ces appliques. Et on a également choisi chez eux une poignée ici pour la porte de la salle de bain. Donc si vous nous suivez, cette porte-là, c'est une ancienne porte qu'on est allé acheter en Belgique. Finalement, c'est une porte qui était dans des belles maisons parisiennes et qui sont allées jusqu'en Belgique pour être décapées. Moi, je les ai juste poncées, protégées avec un vernis incolore. Et on n'avait pas de poignée, donc on a décidé de mettre cette poignée-ci, surtout pour le principe de coulissant, puisque c'était des portes au départ à ouverture classique, et nous, on a choisi de la transformer en porte coulissante. On est ravis de pouvoir vous présenter ce chantier terminé, puisqu'il a duré quand même assez longtemps avec le chantier chambre. On aura mis presque un an, même si on fait toujours des choses à l'extérieur, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps sur l'année 2023, sachant que moi je travaillais ma thèse, donc ça y est, maintenant je suis thésée. Pour tous ceux qui demandent à chaque vidéo ou qui me félicitent, ça y est, je suis enfin tranquille. Et Samy aussi enchaîné depuis plusieurs mois de boulot, son travail d'ingénieur. Et à côté, il travaillait en tant qu'agent immobilier le week-end et c'était très dur, donc il a décidé de lâcher son travail d'ingénieur et de se lancer à 100% dans l'immobilier. Vous l'avez sûrement vu puisque certains ont déjà vu certaines de ses vidéos YouTube qu'il fait sur la présentation de certains biens qu'il a à vendre. C'est vraiment un travail colossal. Et donc si vous aimez bien en tout cas les belles propriétés, même si on n'a pas des millions pour acheter ce type de propriété, vous pouvez aller voir les vidéos, on vous mettra le compte en barre d'infos. Donc ce qui fait que Samy a avancé ce chantier quand même beaucoup tout seul, j'ai été là pour l'aider, mais ça a pris pas mal de temps, notamment puisqu'on a décidé de mettre des matériaux de petit format, les petites tomettes 11 par 11, les tout petits carreaux au niveau du meuble vasque et de la baignoire, et le rendu final est vraiment très sympa. Notre salle de bain ici est de petite taille puisqu'elle fait 8 mètres carrés, c'était pas très facile de l'agencer puisqu'on a à la fois la grande fenêtre, l'œil de bœuf qui fait qu'on pouvait mettre la douche qu'à cet endroit-ci, la baignoire que sous la fenêtre, et finalement on trouve que c'est plutôt bien pensé. Et en tout cas, c'est beaucoup mieux que la douche dans laquelle on a été pendant 2 ans et demi, du coup, à l'étage où on avait très froid l'hiver, puisqu'on avait parfois 5 degrés dans la salle de bain. Dans une vieille cabine de douche, là, c'est quand même beaucoup plus confort. On espère que cette vidéo vous aura plu. On est toujours très content de vous partager notre projet, même si c'est pas toujours simple avec tout ce qu'on fait à côté. On essaye de faire au mieux pour vous proposer des vidéos assez régulières, même si là, malheureusement, il n'y en a pas eu depuis plus d'un mois. On va vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo sur le résultat de la chambre juste à côté. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt au Petit Château 1780.